What's up mon warrior? Comment ça va? Lâche un gros pouce bleu. Lâche un gros débardeur bleu, j'ai envie de te dire. Allez, vas-y, lâche ton pouce. C'est parti. What's up mes warriors? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris dans le titre, tout simplement, aujourd'hui j'ai été à la Video City à Paris. Et c'est vrai que il y avait quand même pas mal de youtubeurs très très intéressants. Si tu vois ce que je veux dire. Team Shape, ma gueule, t'inquiète même pas. Avec petite dédicace de mon cher Thibaut InShape. Et dédicace aussi de Anna NVR. Donc normalement c'est une youtubeuse beauté et tout. Mais c'est vrai que je me suis assez attardé sur ses montages et tout. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas mal intéressants. Malgré que ce soit plus sur la beauté qu'autre chose, mais c'est vrai qu'il y a d'autres vidéos qui sont aussi intéressantes et qui sont pas dessus, qui sont pas sur les vidéos beauté. Bref, je vous laisse avec la vidéo. J'ai rencontré vraiment beaucoup de youtubeurs, plus de la moitié. Il y a les plus gros youtubeurs seront dans la vidéo, et ça je vous mens pas. Après, je vais pas vous dire que j'ai fait des conversations avec, pas avec tous. J'en ai rencontré plusieurs et c'est vrai qu'il y en a, ça a vraiment accroché. Dont un et avec qui j'ai tourné une vidéo, il m'a demandé si je voulais bien tourner une vidéo avec lui et j'ai été ravi d'accepter. Et vous le verrez de toute manière dans la vidéo. Donc voilà, il y aura Thibaut InShape, Squeezie, Norman, Natou, Jimmy Labeu, etc., etc. Ça va être de la folie, mais attention. Par contre, je vais pas forcément vous laisser le son sur toutes les vidéos parce que malheureusement, il y a des musiques des fois qui passent en arrière. Et qui dit musique, qui dit copyright, et j'ai pas envie de me faire tacler sur ma chaîne YouTube pour des copyrights. Donc autant de toute manière couper le son plutôt que d'avoir que des gens qui gueulent autour et puis que ça soit pas vraiment intéressant, il y a juste l'image qui est intéressante, plutôt que de mettre le son, d'entendre gueuler et puis voilà, c'est le bordel. Donc je vais vous laisser vraiment avec les youtubeurs, les grosses images que j'ai pu prendre. Toutes les vidéos ont été faites par moi, il n'y a aucune vidéo qui a été reprise ou quoi, donc ne vous inquiétez pas. Mettez en commentaire si vous avez kiffé de ouf, si vous avez rencontré des youtubeurs, si vous avez eu des dédicaces, si vous avez eu des photos et tout, c'est très cool de les partager sur mon groupe réception du jour ou sur la page réception du jour ou sur mon compte Instagram Clemento Vales ou Clément Vales, c'est comme vous voulez, de toute façon tout sera en barre d'infos. Et en plus de ça, c'est tout, tout simplement. Si vous voulez d'autres vidéos et d'autres infos par rapport à la vidéocité que j'ai aujourd'hui, demandez-moi en commentaire et lâche surtout un gros pouce bleu sa mère, hein. N'hésite vraiment pas, lâche un gros pouce bleu. Il y a plus que 2%. Il y a plus que 2%. Les nez sont vraiment déter. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Ignite the silence.
bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. From the dead.
back from the dead. Hell yeah. From the dead. I fell and lost during war. Shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head.
j'ai pas envie d'être chiant, mais bon, comme voilà, comme vous avez pas eu beaucoup de blabla dans la vidéo, en fait, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé. Ce qui était un peu chiant, c'était quand même les files d'attente. Au début, on a attendu pratiquement 2 heures avant vraiment de rentrer. Il y avait au moins une file d'attente de plus d'un kilomètre facilement. J'étais énormément déçu de certains youtubeurs que je pensais pas forcément qui avaient pris la grosse tête, mais malheureusement, bah, c'est le cas. Ou soit ils ont pris la grosse tête de toute manière, ou soit c'est parce que justement leur popularité font qu'ils sont... Faut pas forcément, d'après la sécurité, qu'ils aillent vers leurs fans, comme Cyprien, où c'était vraiment le bordel, vous avez pu le voir dans la vidéo, où lui, carrément, les gardes du corps dégageaient les petits. J'ai vu un gamin, d'ailleurs, que j'ai été toute la journée avec, qui a été complètement mis par terre. Donc, je trouve ça un peu dégueulasse. Enfin bref, surtout qu'en plus les youtubeurs, le pire c'est que les youtubeurs ils s'en foutent quoi que leurs abonnés les approchent, au contraire ça leur fait énormément plaisir et c'est en fait les gardes du corps ils sont côté vas-y dégagez-vous, moi je fais mon taf vraiment à fond, bon, d'un sens ils ont raison, il vaut mieux ça plutôt qu'il y ait des débordements après et puis qu'il y ait des conneries, enfin bref. Donc il y avait vraiment les plus gros youtubeurs, mais après c'est vrai qu'il y en a certains, tu les appelais, ils disaient non j'ai pas le temps, je vais fumer ou je vais manger un petit gâteau, alors qu'au final bah non, ils allaient juste taper des barres avec leurs potes. Bon, après on peut comprendre, c'est des youtubeurs assez jeunes et tout, ils ont pas forcément tous la même mentalité, le même caractère ou quoi, tu vois. Mais après je pense aussi que la popularité fonctionne dedans. Après c'est très très fatigant, ça doit être super fatigant de faire des dédicaces photos, parler avec plein de gens différents, ça doit être vraiment être très très fatigant. Donc j'ai été déçu, oui et non. Mais voilà, c'est pas si négatif que ça, entre guillemets, parce que j'ai vu plus de la moitié des youtubeurs. J'ai pris des photos avec plus de la moitié des youtubeurs. D'ailleurs, je vous mettrai ça sur les côtés, je sais pas trop où. Donc voilà, c'était vraiment très très cool. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. Jimmy Falcon, Jimmy, j'ai parlé avec vite fait quand il est passé, j'ai dit ouais Jimmy, il m'a dit coucou avec sa tête de bite. Jimmy Labeu, je lui ai sorti une bite. Et t'as Dylan Del Rey qui a sorti après, ah Jimmy, je crois qu'on parle de sexe ici. Enfin c'était vraiment très 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 marrant. J'ai vu aussi Anna, voilà, comme je vous l'ai expliqué au début, Anna. Non franchement c'était vraiment très très bien, il n'y a pas eu de problème, il n'y a plus de débordement. C'est vrai que c'est très très fatigant pour les pieds parce que tu piétines à longueur de temps, donc c'est vrai que voilà. J'ai été aussi déçu par contre sur ça, c'était un peu mal fait. Un exemple tout bête, même si j'allais partir dans les minutes qui suivaient, mais par exemple je voulais aller voir Efkan parce que c'est un youtubeur que je suis avec mon meilleur ami et ça me tenait vraiment à cœur d'une de le rencontrer. Mais de deux, surtout d'avoir une dédicace pour mon meilleur ami qui a pas pu y aller. Parce que moi au pire je venais juste de lui parler à Efkan, je lui avais fait un petit coucou, il m'avait répondu très très gentiment, comme il est tout simplement dans ses vidéos. Et c'est vrai que ça m'a fait chier parce qu'en fait la file d'attente est tellement longue et lui il parlait tellement qu'à un moment donné il s'est barré sans prévenir tout le monde. Donc du coup j'ai pas pu faire ça, sinon j'étais vraiment dans la queue, j'étais quoi à 2 mètres de lui. Voilà, c'est dommage, c'est vrai qu'il y avait des youtubeurs qui étaient inaccessibles, tels que, bah, on va dire Cyprien, même s'il a voulu se mêler à la foule. Squeezie, c'était vraiment un délire. Il y a aussi ça, il fallait passer des concours pour être dans la file d'attente, pour vraiment rencontrer la personne, avoir des lignes dédicaces et une photo avec. Pour les gros youtubeurs, tels qu'en Josh Phoenix, Squeezie, Cyprien, Thibaut Chef, les trucs comme ça. Donc ça, c'était un peu chiant parce que tout le monde n'était pas forcément au courant, ça, c'était mal fait. Et aussi le fait que bah voilà les youtubeurs ils se barrent en plein milieu de leur séance, c'est un peu chiant. Après on peut pas leur en vouloir forcément, moi franchement je leur en veux pas. Je peux pas dire que je leur en veuille, même si ça fait un peu chier d'un côté. Mais je me dis que voilà, c'est tellement des gens simples et en fait c'est juste une caméra qui nous sépare de vous. Bah qu'au final ce sont des gens normaux et c'est leur droit de faire ce qu'ils veulent, voilà. Donc moi franchement c'était une putain d'expérience avec ma soeur et tout. J'aurais voulu que ma chérie soit là, mon meilleur ami aussi, enfin plein de personnes proches soient là avec moi pour partager ça. Encore merci pour Thibaut, pour la dédicace et pour Anna. Maintenant Anna et Thibaut et puis plein d'autres youtubeurs savent que j'existe. Merci pour ton débardeur, il est magnifique. Et puis je vous dis à très très bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça n'a pas été trop chiant.
Si vous voulez des rajouts de vidéos, par exemple sur le groupe ou quoi, avec le son, n'hésitez pas à me demander. Ça sera avec plaisir, tout simplement. C'est juste que là, j'ai pas envie de me taper des copyrights ou des prises de tête avec des déclarations ou du je sais pas quoi dans ma boîte email. Donc voilà. Donc je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement. Et lâchez un gros pouce bleu, vraiment, c'est ce qui me sert à vraiment monter et à aller dans l'eau. Donc ça fait vraiment plaisir en fait que je fasse partie de ce monde-là. Et que je puisse un jour vous rencontrer, faire des meet-up et puis vous rencontrer. Et moi, sachez que je ne partirai pas en plein milieu de la file d'attente. Je resterai même une heure de plus s'il le faut pour un meet-up, il n'y a aucun problème. Mais vous savez pourquoi? Parce que si vous n'étiez pas là, si vous ne seriez pas là, et ben moi je serais pas là en train de vous parler en ce moment même. Je serais même pas allé à la vidéo aussi. Donc voilà. Donc je vous remercie, même si je suis pas encore au top niveau. Comme je vous ai dit, moi les abonnés ça compte pas vraiment, mais au final c'est obligé de compter quand même, parce que il n'y a que ça qui fait monter les youtubeurs. Je vous fais plein de gros bisous, lâchez des gros likes et mettez plein de commentaires. Je veux plein d'avis de votre part si vous y avez été, etc., etc. Je vous l'ai déjà dit de toute façon tout à l'heure. Donc voilà, peace mes warriors, pas sur moi. Pouh.